un mot sur l'évolution de la consommation des programmes en ce moment, les replays, les petits écrans. Vous en pensez quoi en tant que productrice majeure aujourd'hui? C'est quand même bien pratique, les replays. Donc ça vous fait pas peur? De toute façon, pour la production de flux. On n'a pas le choix. Moi-même, je consomme pas mal de replays parce que je ne suis pas forcément devant la télé au moment où je veux voir les programmes. Donc évidemment que ça fait partie de l'évolution naturelle. Julien ? Oui, on a vu avec la Star Academy justement que les replays ou même les réseaux sociaux surtout ont amplifié le phénomène. Et ça, c'est pour ça que ça a aussi beaucoup parlé aux jeunes. Quel rôle vous avez joué là-dedans ? Rien du tout. C'est déjà la case à 5h30, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas devant leur télé. Donc c'est pour ça que heureusement que les replays ou que la chaîne continue. Mais les réseaux sociaux, surtout TikTok, Instagram. Ah oui, ça c'est essentiel, pardon. Ça, quel rôle vous avez joué sur... Ça, il y a une équipe dédiée. Maintenant, il y a des équipes dédiées à ça et c'est essentiel. Ça a amplifié vraiment le... Et bien sûr, là justement, sur les enfoirés, on est en train de travailler là-dessus. Jusqu'à présent, on avait laissé complètement ça de côté. Mais aujourd'hui, pour faire une communication... C'est la première fois là que cette... sur les enfoirés que vous allez à ce point de... Tout à fait, on va essayer de faire une communication beaucoup plus... Mais oui, ça rend événementiel, ça peut rendre beaucoup plus moderne. Voilà, donc c'est vrai que là, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire justement en termes de com sur les réseaux sociaux. C'est indispensable. Un mot pour terminer. La preuve, Céline Dion aujourd'hui, elle annonce... elle annonce qu'elle ne fait pas sa tournée, elle l'annonce où ? Elle l'annonce sur les réseaux sociaux. Donc c'est vecteur de messages, ça touche un grand nombre de gens et ça touche surtout des gens qui au départ ne peuvent ne pas être touchés par ce type d'infos, par un programme ou autre. Est-ce qu'un jour vous auriez envie de produire pour des plateformes ? Oui, on essaye. C'est vrai ? Oui, on a un projet, on a un projet avec Amazon, On peut en savoir plus ? Non.